Salut, salut. Donc, on se retrouve aujourd'hui pour refaire les ongles. Donc, on va faire des ongles de préfète, hein. Voilà. Voilà, on va pas faire le make-up de. Enfin, le make-up, non. Le nail art de fête tout de suite. On le fera plus tard. Mais là, j'ai fait une dépose hier. Donc, je vais refaire mes ongles. Je vais mettre cette couleur-là de chez Elite 99. Voilà la référence, de toute façon je vous mets les liens en barre d'infos. Celui-ci, je ne saurais pas vous mettre le lien, c'est un top coat de chez Model Ones. C'est le Snowflakes, je sais plus quoi, c'est où la teinte ici. Le Shiny Snowflakes, donc qui ressemble à ça. Voilà, voilà, ça je l'avais eu dans un coffret Model Ones, donc je ne saurais plus vous dire. Et je vais mettre un petit bijou comme ça, c'est un double infini. Voilà, et tous les autres produits, je vous liste au fur et à mesure en barre d'infos. Donc là, je vais commencer par, j'ai déjà préparé mes capsules, hein, elles sont juste ici au-dessus. Je vais commencer par désinfecter avec un spray, donc c'est un de chez N2ED, mais ça n'existe plus, donc voilà. Voilà, je désinfecte mes ongles. Et je vais juste repousser un tout petit peu, alors je vais essayer de me centrer quand même, un tout petit peu mes cuticules, parce que, déjà d'une, j'ai pas énormément de cuticules de base. Et comme je viens de faire une dépose, il n'y a pas vraiment beaucoup de boulot de préparation. Alors, je vais quand même juste limer un tout petit peu l'ongle au bord des cuticules, là où il y a ma repousse. Donc, je prends un côté pas trop griffant quand même. Je vais juste donner un petit coup. Principalement aux cuticules. Donc je suis en train de regarder en même temps pour la 150e fois Mindhunter sur Netflix. Donc je vous remets ici dans le petit i, ici je crois que c'est. Hop, 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 là. Je vous ai fait un classement des séries, des productions Netflix que je préférais. Donc je vous remets ça dans le petit i et Mindhunter en fait partie. Et du coup, j'ai eu envie de le re-regarder encore une fois. Alors, je vais mettre mon nail prep donc de chez Nailonails. Le Ultra Bond Acid Primer, toujours de chez Nailonails. Alors, je vais quand même mettre une base. Là, c'est celle de chez Model One, ce que j'avais eu dans le même coffret que les paillettes, là. Mais comme ça permet d'agripper un petit peu la gummy base après. C'est pas indispensable, hein, si vous n'en avez pas, c'est pas très grave. Mais moi, je trouve que ça agrippe un peu mieux et que ça fait moins facilement des bulles. Voilà, et on catalyse 1 minute. Évidemment, on fait pareil sur tous les autres doigts. Voilà, et on peut commencer avec les tips. Donc, les tips, c'est ceux de chez Ongle 24, les Bonelux. Là, c'est ceux en forme d'amande. Il n'y a pas de nom, pas de référence, mais je vous les mets en barre d'infos. J'ai enfin la Gummy Base Clear toujours de chez Ongle 24. Donc la pose que j'avais juste avant, je l'ai fait avec celle-là pour la première fois, hein, puisque l'autre, j'utilisais un produit Your Sugar, l'acrylique liquide. Et ça tenait environ une semaine et demie grand max. Là, ça fait 3 semaines et demie et je viens de les enlever. Donc voilà, j'en ai aucun qui est tombé, rien. Donc je suis bien contente. C'est juste que ça déborde un petit peu plus de la capsule, mais bon, on s'arrange autrement du coup. Donc je vous montre pour celui-là et puis le reste, on mettra ça en musique. Donc, je tartine. Donc elle est un peu plus épaisse que le produit que j'utilise, Your Sugar normalement. Donc c'est pas plus mal non plus. Donc j'en mets bien partout pour commencer. Et ensuite je racle le bord de mon pinceau et je pousse la bouboule au milieu pour le bomber. Voilà. Et ensuite tout simplement on l'applique sur l'ongle. Ah, sans s'en foutre partout, c'est mieux. On pousse.
on stabilise avec un autre doigt pour éviter les bulles et on catalyse. Donc je mets 30 secondes et après je remets 1 minute ou 90 secondes toute ma main d'un coup. Là c'est juste vraiment pour sceller la gummy base et que ça ne bouge plus. Donc je fais les autres mains, les autres doigts de la main en musique et voilà. Donc voilà pour la première main, je recatalyse pendant 90 secondes le tout et je fais l'autre main et je remets. Voilà, une fois que j'ai posé mes deux mains, je prends ma ponceuse avec un embout tout fin comme ça. Donc là c'est un embout céramique mais qui vient de chez AliExpress toujours. Et je vais juste nettoyer un peu le contour des ongles ici avant de les mettre en forme. Donc voilà pour la ponceuse. Je vais les couper parce que je ne vais pas les laisser si longs pour cette fois-ci du moins. Je vais couper le bout, donc pareil que d'habitude, un petit peu en dessous du chiffre de la taille de l'ongle. Et avec ma lime, je vais la remettre un peu en forme, donc bien lisser le dessus et resserrer juste un peu la ballerine. Voilà, donc une fois que ça c'est fait, on prend un bloc et on va griffer la capsule. Donc, une fois qu'on en est là, je vais pouvoir appliquer ma couleur. Donc je prends la Elite 99 juste ici. Et je vais donc l'appliquer en deux couches sur chaque ongle. Je vais catalyser 30 secondes par ongle et ensuite je mettrai catalyser 1 minute le tout. Donc celui-ci est un peu plus épais que les autres. Une fois que j'ai mis les deux couches du vernis, je vais donc mettre le top coat avec ces petites paillettes là.
Donc je racle quand même assez bien le pinceau. Je ne veux pas que ce soit opaque. Je veux juste mettre quelques paillettes sur le vernis. Hein. Donc c'est des petites paillettes. Il y a des petites et des plus grosses holographiques. Elles sont juste magnifiques. Je catalyse 1 minute et ensuite je mettrai le top coat toujours de chez Neo Nails et je vais catalyser 2 fois 90 secondes. Donc une fois que j'ai fini sur mes deux mains de mettre le top coat et tout, c'est trop beau hein, c'est trop beau, c'est trop beau, je vais prendre un petit peu de polygel, du polygel pour mettre mes petits bijoux. Donc je prends du cleaner dans un petit capuchon, je vais d'abord griffer, je prends ma lime et je griffe sur l'annulaire. Ici où je vais mettre justement le polygel pour que ça tienne. Je mouille mon petit pinceau dans le cleaner. Donc pas besoin de prendre un très gros. Hein. Et je vais donc prendre un petit peu de polygel, si j'y arrive, que je vais mettre juste ici. Je l'aplatis. Voilà, une fois que je lui ai donné la forme adéquate pour le bijou, ben, je place le bijou tout simplement là où je veux le mettre. Et j'appuie. On aplatit les bords ici pour pas que ça fasse une démarcation. Et on catalyse pendant 90 secondes aussi. Donc, pour être sûr qu'il n'y ait pas un effet collant, je vais prendre juste un peu de top coat avec le petit pinceau. Je viens d'appliquer le polygène pour bien remettre autour. Et voilà, on catalyse ça et on aura fini. Enfin, une fois qu'on aura fait l'autre main. Et voilà donc ce que ça donne une fois que c'est terminé. J'aime beaucoup. Donc bien sûr, j'ai toujours mon ongle de traviole. Hein, mais enfin, c'est mon doigt qui est de traviole, c'est pas mon ongle. Voilà, voilà. Donc pour un petit make-up, oh là là, mais décidément, pour un petit nail art pré-fait, je vais juste mettre un petit peu d'huile à cuticule à la noix de coco. De toute façon, on est obligé de sortir les paillettes. Oui. Donc j'ai ma lampe qui vient de s'éteindre d'un coup, là ça m'a un petit peu effrayé, mais bon, tant pis. De toute façon, on a terminé. Donc n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu si ce petit nail art vous plaît. Voilà, j'essaye d'alterner de temps en temps les vidéos et les lives pour pas faire tout le temps la même chose, que ce soit d'un côté ou de l'autre. Je vous ai programmé un live ongle le 18 décembre pour le calendrier de l'Avent. Donc voilà, j'espère juste qu'il n'y aura pas de soucis et qu'on pourra bien se le faire. Et normalement, si tout va bien, vous aurez ce jour-là la vidéo et le live. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner si vous venez de tomber sur cette chaîne. Et donc en attendant la prochaine vidéo, moi je vous dis bisous bisous.